Peggy 18. Eh bien salut Sagi, bienvenue. Bienvenue pour ce chapitre final de Project Zero, la prêtresse des zones noires. Moi je dis pouce bleu en folie pour ce dernier épisode, parce que bien entendu j'avais fait la promesse que je ferai tout le chapitre en un seul épisode. Donc c'est la 11e session, mais vous aurez toute la vidéo, donc peu importe le temps, que ça dure entre 30 minutes et 1 heure, voire 2 heures, je mettrai ces 2 heures. Donc j'espère que tu es prêt, moi je suis prêt. Là on va jouer Yuri Kozukata, Yuri, Ren et Miyu vont affronter leur destin. Donc possible qu'on puisse jouer les 3 personnages. Et il y aura bien entendu le boss final, L'Oréal, parce que je le vaux bien. Alhamdoulilah, on y va. Normal. Alors est-ce qu'on achète des trucs? Ça pourrait être important. Ouais, genre toi par exemple une pierre miroitante au cas où on crève. Des films, je sais pas si j'en ai 64, 42. On va prendre des 90. Ça coûte quand même assez cher, mais bon. On va prendre... On va faire le plein pour ce chapitre final. On a tout à faire, on a beaucoup de fric. Voilà, 60-60. C'est parfait, c'est parfait. Et on va pouvoir y aller. Putain, déjà, dernier chapitre. La mariée des eaux noires. Et c'est là qu'on va tout comprendre. L'éclat du soleil noir s'estompe et les jeunes filles endormies reprennent conscience. La montagne appelle nos 3 protagonistes. Chacun de leurs mystères attend sa solution. D'accord, c'était... simple. Mais bon, on y va. Est-ce que vous êtes chaud? Moi, je le suis. Allez, on va poutrer du fantôme, du boss final. に見えないものが見えた。家族で私だけ生き残ってから、私だけが見える死の風景。唐突に訪れる死の匂い。いつも死がそばに。 私には行くべき場所は分かっていた。私はいつもここに立っている。あと一歩踏み出すかどうか。
Ok, c'est bon, on va pouvoir rejouer. Alors, cet épisode par contre sortira un petit peu plus tôt, genre vers 17 h, histoire que vous ayez le temps de le voir. La porte est ouverte, l'hôtel sur l'eau, il m'appelle, il m'attend, je dois y aller. Par contre, il y a un petit document. Là. Prendre. C'est mon journal, le docteur à l'hôpital m'a dit que je devrais en tenir un. Oh mais, t'es pas malade ma chérie. C'est juste un don, c'est un don qui fait un peu flipper, mais bon. J'ai envie d'une prêtresse, de devenir une prêtresse. Elle a soulevé son bandeau et regardé un mourant. Puis elle a couvert ses yeux et pleuré. Je n'ai pas pleuré. Pas même lorsqu'Isoka m'empêchait de sauter. Isoka avait pleuré, elle. Quand ai-je pleuré pour la dernière fois? Quand j'étais enfant, je pleurais lorsque le soleil se couchait. Maintenant, lorsque je vois un coucher de soleil, je le regarde, captivé, j'ai l'impression de fondre, d'être appelé de l'autre côté. Non, il n'y a pas besoin d'examiner. Alors, pourquoi il y a de la brume ou de la fumée là? C'est quoi ces conneries? Hein? Tiens, on va aller de l'autre côté. On sait jamais, il y a peut-être des documents à prendre, donc je vais pas sortir directement. Ça devrait être plutôt tranquille, il doit pas avoir de fantômes. On les a tous éliminés l'autre fois. C'est quoi ce bruit? C'était la porte. J'ai rêvé d'une rivière, c'était la rivière de la mort et nous devions la traverser. Ouais, je la laissais parler. Tout le monde luttait contre le courant et se faisait emporter un par un, épuisé. Je ne pouvais pas les sauver et j'ai fini par être emporté seul. Tout le monde luttait contre le courant, se déplaçant d'un seul bloc. Je me suis senti soulagé de nous avoir tous liés, puis je me suis réveillé. Lorsque j'ai touché Yuri sur cette falaise, j'ai vu son tourment. La culpabilité de survivant. Hey, tu peux me laisser parler s'il te plaît? Son obsession de la mort et son hésitation à la poursuivre. Peut-être nous sommes attirés l'une à l'autre car nous luttons tous deux contre le courant. Ouais, bon, bah je vais. Je vais te toucher! Wow, gros boobs. On a vu son ancien ami mourir sur la falaise. Et quand même, ma famille a été décimée. Hein. Et elle a vu sa famille mourir, hein, Yuri. Ça va être trash à voir quand même ce truc. On va faire toutes les chambres. Ah. Vous êtes là. Wow. Cauchemar? J'en sais rien, mais on va pouvoir sortir. Okasan. C'est quoi cette fumée? Hop. Y'a un Rasta. Y'a un Rasta qui traîne dans la maison. ご結婚されないんですよね。ん？そうな。
Ouais, tu veux te marier avec surtout. Hein. Je peux pas toucher toi? Bon bah je peux pas. Ok. Karen a peur des femmes. Je crois qu'on a tout fait, hein, on peut partir. Hmm, 14, ouais pour le moment restant 14. Vas-y, prends ça. Waouh! Prends? Merci. C'est un livre qui parle d'une vieille légende. On dirait qu'il a été écrit par le folkloriste Keiji Watanabe. Selon Ikami, on dit que la source de l'ombre est ici, mais elle est de l'autre côté. C'est vraiment curieux. Ça doit vouloir dire que la source est à la fois de ce monde et hors de ce monde. Les eaux noires coulent de la source de l'ombre. Elle abrite l'autre monde. Des siècles durant, les prêtresses ont protégé la source de l'ombre, pensant qu'elle était un pont entre les mondes. De nombreuses histoires parlent de tels ponts. Y a-t-il en tout le pays des gens qui protège ses ponts, tout comme sur le mont Ikami, en noyant ses prêtresses. Peut-être Kosei Kurosawa, la dernière fleur immortelle, était là de sacrifice. Maybe. Allez, on sort. Donc là, on a une petite partie dans la maison. La boutique d'antiquité, ou salon de thé. Ah, ça fait un truc qu'on n'a pas eu cette image là. Il n'y a pas plutôt un rapport avec ce soleil, parce que le soleil noir. Il y a deux mondes. Les gens veulent mourir la nuit. Donc le jour, qu'est-ce que c'est? Les sources chaudes, hein. On est retourné vers le début. Ok. Faut que j'aille où? J'ai attendu. Marié qui appelle. Bon bah, je vais te suivre. Gentiment. Pour le moment, c'est assez innocent, il se passe pas grand chose. Du texte, des cinématiques, des souvenirs. Mais bon, on sait bien que nous deux, ça va pas durer. Alors, que dalle ici. Ok. Parfait, c'est par là. Y'a plus rien, y'a plus d'objets. Heureusement que j'ai acheté des films. Je pense qu'on en a assez. On va le faire. Okay. Personne qui va. Non, c'est bon. Hop. Femme qui fait le grand saut. Prêtresse qui regarde les âmes. Elle va sauter. Non? Pas bouger, hein. Ok. Ah, voilà. Tiens. C'était sûr. Ah, dégage. Il y a l'autre à droite, je le sais. Oh, ça ralentit. Aggro-moi. J'ai pas vu c'était quoi l'autre fantôme par contre. J'aime pas ça. Oh, elle va me tomber sur la gueule. Ah. Eh ben, elle m'est tombée sur la gueule. Casse-toi. Pétasse.
putain, m'a retiré la blinde de PV. Hein. Hop. Non, pas la carte, s'il te plaît. Les objets. Oui. Ah, on a peut-être des améliorations à faire avant de poursuivre. Oh, bah ouais. Distance d'attaque. Pourquoi pas. On va mettre ça aussi. Objectif. La force. Parfait. Et je peux rien améliorer d'autre apparemment. Ouais, c'est bon. Je vais m'occuper de cette prêtresse avant. Boum! T'es vraiment lourd, toi. Arrêtez de faire les gogoles. Voilà. Ça fait plaisir. Touché! Ah, tu as des bonnes babines salées, toi. Ok. Ok, mais un truc à masser. Putain, c'est quoi ces ralentissements? Y'a trop d'animation là. Des herbes. Ça, il m'en faut. Alors, là-haut, y'a rien. Attends, je suis un petit peu souillé là. J'ai dit que ça allait pas durer, c'est mettre des gros fantômes, ça rigolait pas hein. Quand il me tombe dessus et qu'il m'enlève la moitié des PV. C'est une base pure ça. Ah bah écoute. Ça va faire plaisir. Voilà. Pas en bas. Ça va toi? Je peux pas prendre une photo? Par contre, ta gueule. Oh, ça fait mal. Oh putain. Oh les tiens. Wow. What? Wow, il se passe quoi? What the fuck? J'ai rien compris. On va soigner. J'étais attiré par l'arrière, je sais pas, j'ai... Ouais. Esquive. Ouais, il se passe des choses bizarres, je pouvais plus rien faire. Ça doit être un bug. Attends. Nique ta mère. Ta gueule. Arrêtez. Voilà. Non mais oh. Ah t'es stylé toi. Oh que t'es swag. Les spectres, ça dégage. T'es morte. Oh merde, j'ai attaqué trop tôt. Si c'est bon. Waouh. Mais une animation bizarre. En fait, je crois qu'elle m'avait chopé, donc elle m'a... Oh putain. Sérieux. Elle m'avait grab, mais en même temps non. Et du coup l'animation s'est arrêtée. Et après ça a complètement déconné. À cause de ça j'ai perdu plein de vie par contre. Oh. Ça va m'aggro très rapidement celle là. Tiens. Oh, 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 oh. Je te touche la bouche.
Est-ce que je peux ramasser mon objet? Merci. Cet homme a laissé tomber ce vieux texte. Putain, enfin, on peut le lire. Elles sont toutes mortes, je suis enfin seul, je ne pourrais pas mourir convenablement, mais c'est un peu important, c'est quelque chose qui m'appartient à moi seul. Je les ai toutes anéanties, je leur ai repris ce qu'elles ont vu, ce qu'elles m'ont volé. Il ne reste plus personne pour voir ce que je suis, ce que j'ai fait à présent, je peux mourir seul. Bon, t'as fini de faire des trucs chelous, toi? On te suit! Parce qu'à main, il n'y a rien. Ok. On poursuit. À droite, à gauche, à droite. Et rien d'objet encore pour le moment. Enfin, quelques herbes médicinales. Mais sans plus. Tiens, là. Oh, du film. Ça, ça fait plaisir. 14-24, c'est tout. C'est rapide. Ici, y a rien. On bouge. Tas de pom-pom. Moi j'aime ça. J'aurais peut-être dû acheter des presses pures. Parce que, ah, fait chier cette pluie de merde. Voilà. On peut pas acheter à partir d'ici. Oh, il y avait des objets ici. J'avais jamais fait gaffe ce truc. Sympa. Ok. Ouais, non, la pluie, regarde à chaque fois comment ça remonte. Je suis plutôt en train d'en gaspiller. Ah, c'est beau, hein, vos paroles. Non, pas ça. Je passe en 61. Comme ça, on fera beaucoup plus mal. Donc, les braises-pures ne servent à rien. Enfin, je suis pas toute mouillée là encore. Donc, ça a dû servir quand même. C'est étrange. Y'a rien? Ok, c'est gratuit. Par là-haut. Waouh, ça promet d'être vachement long, hein, ce chapitre. Attends, c'est le dernier. On rigole plus! C'est pur, yeah! Voilà, là on est de l'autre côté. Logiquement. Hein, toujours pas. Merde, c'est vers où le petit pont? Oh, tu veux faire des détours, toi? Là-haut, il y a un objet. Je vais voir si je peux y aller comme ça. Par là. Et où le pont? Il y avait un objet dessus. Non, bâtard! Dégage! En plus, il a fait perdre beaucoup de PV le truc. 14-12, putain, mais. Ils sont pas généreux, hein. Que 12? T'es où? Attends, dis-moi où t'es aussi. Voilà. On va prendre ça. Encore du film. Voilà, ça fait plaisir. Ok. Pas le choix. Faut passer dans les eaux. À gauche ou à droite? À gauche.
Wow, on fait un grand tour, je crois qu'on n'est jamais passé par là. Hein. Je m'attendais. J'étais déjà prêt à relâcher. Ah, voilà le pont là-haut. Allez le prendre. Sans trop d'agression. Soyez sympa. Cette femme, la prêtresse, elle m'appelle. Au début, le regard se fait par un contact ou une accolade. À la fin, les pensées peuvent être absorbées par un simple regard. Tout le monde a des secrets. Être regardé permet de retourner à l'eau en paix, sans secret, sans souffrance. Je peux te voir, toi aussi. Tu es obsédé par la mort, tu as peur d'être seul. Je vais t'éteindre. Viens à moi. Ah, on doit retourner dans la maison. Mais avant, il y a... Voilà, tu vois, il y a des objets ici. Je préfère aller les prendre avant. 61. Putain. Waouh, c'est rempli. Putain, il y avait un autre objet normalement quelque part. Ah non, bon, apparemment, celui-là du fond là-haut. On ne va pas aller trop loin non plus. Parce que sinon, on va se perdre. Ah, mais il y a des objets partout aussi. Et je veux les prendre, c'est important là. Ça évitera de se faire démonter la gueule. Chaque fantôme me retire pratiquement la moitié de mes PV. Vas-y, prends ça. Et après, on va sur le bon chemin. Alors, c'était par là et par là. On va pas trop s'aventurer parce qu'après, il y a des possibilités quand on passe par là de toute façon. Donc, on va directement aller à la maison. Oh putain. Oh non, non, pas toi. Oh, il va me faire chier lui. Voilà, bien. Ta gueule. Bâtard, prends du 61 dans les fesses. Oh, t'as bien souffert, hein. Oh le bâtard. Ah, allez là, il est encore transparent ce connard. Ah, le puissant. Et bien. Tiens! Il est mort. Ah, même pas. Et là! Tu joues moins le moins là! Non, 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 wow. C'est vrai que lui, quand il meurt, il nous fonce dessus. Il fera toujours rigoler avec ce truc. Quoi, je vais mourir, je me casse! Je me tire. Ah, enfin à l'abri. De la pluie, hein, pas des fantômes. Eh, vous êtes sérieux? On va refaire tout le tour. Je joue pas le malin. C'est bien. Montre-moi le chemin. Salut! Y'a du monde ou pas? Allez, monte ma belle. Voilà. Et on prend cette porte. Là, y a une poupée. Dans les endroits glauques, pourquoi pas, c'est tellement bien, hein. Je suis pas la maligne, toi. Y'a rien. Euh,
Ah, ici, d'accord. Après, il y a peut-être des items à aller chercher hein, si on se promène. Ah! Oh non! Putain, mais je croyais que je vous avais déjà niqué, vous. T'es où la petite fille mignonne? C'est ma préférée. Là! Yeah! Mais oui, t'es mignonne! Ah, que j'adore cette fille! On va la toucher! Si on se rate pas! Voilà! Agressez pas les autres! Les enfants, on se calme! Maman a dit on se calme! Arrêtez de courir n'importe où! Ah là là, qui vous a élevé? Tiens, dégage. Oh, calme-toi, toi. Qu'est-ce que tu fais? Arrête. Voilà, crève. Comment je parle à des enfants? Crève, charogne. Meurs. On a du film. Ah. Oh. Ça, niveau vie, on gère. Ouais, vers l'hôtel de la transition. Chemin de la transition. Oh, putain, on voit rien. Wow. On voit que dalle. Doucement, hein. Ça. Hey, ils y vont avec les herbes médicinales. Hein. Ta mère? Je l'ai senti. Heureusement parce que j'étais en train de parler et après un moment je me suis dit, ah, il va peut-être avoir une main. Fois 1? C'est la première fois qu'on nous en donne qu'un. Je te suis, je vois pas d'autres objets là-haut. Et... on monte! T'as même pourquoi un escalier marche plus vite? Ah, ça rattrape ici! Donc avant on venait de la forêt d'ici. Elle est là-haut. D'accord, en fait, les escaliers derrière. C'est ça. Oh putain, il y a... Non, mais, oh, il y a trop de monde là. Les autres sont à droite. Attends, il faut bouger d'ici. Ah, Wii U, elle tient pas là. Hein. Ta gueule. Waouh. Ta gueule! Bâtard! Oh putain! Waouh! Regarde ma vie! Waouh! Oh sacré! Oh putain, il rigole pas! Je peux pas esquiver. Hein. Hey, faut le soigner! Touche pas à ton pote! Ah, c'est ça qui se passe en fait. Et il en reste un dernier. Il est où? À ce moment, ils sont morts. Donc voilà, en fait, ils se régénéraient eux-mêmes. Oh, j'ai pris cher. Hein. J'ai failli clamser. Oh, une attaque! Prêt à risquer notre vie juste pour une vieille enquête? On est comme ça. Elle a pris la barque de passage pour se rendre à l'hôtel sur l'eau. Lorsqu'un pilier s'effondre, lorsqu'une prêtresse tombe, le reste entre nous, lié par l'eau, doit absorber ses émotions. J'ai regardé tant de morts. La douleur est débordante. Les dernières pensées des défunts tourbillonnent comme un maelstrom. Je n'en peux plus. Mon cœur a atteint ses limites. Ah. Kezako. Ça l'a fait un Kyori? Putain, il rigole plus. Hein. Déjà dans la maison, c'est assez corsé. Là, c'est encore des plus gros fantômes.
Le chargement, il est coupé sur la gauche, on voit bien un petit trail. Sauvegarde. こっち。明日はお祭りだね。 このままずっとここに隠れていようか。 L'a pas tué en fait. Tout s'explique. Ah, on tire c'est bien ça le sexe. J'ai pas connaissance à cette brume et de mauvaise augure. Est-ce que Louis va bien? Sensei. Moi c'est drogué. Au fond de cette boîte, chante les sardines. Je vais prendre ce truc. Non, je peux pas. D'accord. Ok, bon. Ah, je jouais le malin, j'ai pas lu du coup ce qu'il fallait faire. Oui, je pars. Tu peux me laisser? Ah, à moins que t'aies mis là-dedans. Je pense pas. Hein? Ah, examiner. Non. Je vais passer par là. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Tu m'aimes. Je sais, au revoir. On parle encore en plus, hein. Ah les femmes, je vous jure. De quelques bières. De boissons non alcoolisées, mais il y a quelques bières. Et je peux pas me barrer. Dans mon bureau? Ah bah si, il fallait faire ça comme ça. Ah voilà, ok. On va prendre ça, c'est gratuit. Le cœur obscur a été dans cette boîte lorsque je l'ai trouvé. Ça doit vouloir dire qu'elle appartenait au docteur Azo. On dirait qu'il y a quelque chose d'autre à l'intérieur. Oh les cheveux. Oh. Cette fille nommée celle que j'ai rencontrée à l'hôtel des poupées, ce ruban ensemble au sien. Est-ce que vous êtes un génie? Combien de temps s'est écoulé depuis que je l'ai trouvé? Cette cérémonie, est-ce que c'était réel? Et si ça n'était pas, que sont ses cheveux? Mes souvenirs sont flous, j'étais pris dans la passion de la cérémonie, j'ai abaissé la lame. Après ça, les ténèbres.
J'ai promis de retrouver cette fille et de lui apporter ce souvenir. J'ai l'impression qu'elle attend encore, même si ça fait bien plus longtemps que je ne veux le penser. Mais à mon âge, non, à cause de mon âge, cette promesse innocente que l'on a faite pèse fortement sur mes épaules. Une promesse oubliée que l'on ne peut pas défaire. Où pourrais-je emmener ce souvenir afin de pouvoir tenir ma promesse? On peut donner une réponse que je cherche. Ouais, parce qu'on est lié du coup, si c'est pas nos souvenirs. C'est journal de Louis. Monsieur Jo ne me choisira pas. Je ne... Tu vois, tu l'aimes. Je ne peux rien y faire, mais ça va, ça me dérange pas. Puis je dis cela. Non, plus je dis cela, plus j'ai envie de pleurer. Les larmes me lavent, me libèrent, libérées de ma possessivité maladive, de ma jalousie, de mon désir de lui céder. Il n'a pas à me choisir, je veux juste être à ses côtés aussi longtemps qu'il me le permettra. Il s'habituera tellement à ma présence que je deviendrai invisible à ses yeux. Comme de l'eau, je disparaîtrai, je deviendrai transparente, incolore. Et il y avait un truc dans mon bureau, t'as dit. Bon, c'est tout, faut se casser. Vers les sources chaudes. On y retourne, on va dehors. Oh non, mais il me ramène encore au début en plus. C'est sérieux. 14, 61. Je vais reprendre du 61. Est-ce que le docteur Azo? Cette personne à avoir quitté le monde Camille vivante, mais que c'est-il ici? Que photographiait-il? Si j'essaie de photographier ce qu'il regarde, je pourrais peut-être découvrir des indices. Tu regardes un truc. Là. Ok. Le chemin qui mène à la montagne. Hein. Cet endroit s'appelle autrefois le bosquet des prêtresses. C'est là que les pèlerins choisissaient la prêtresse qui les accompagnerait. Une prêtresse qui veillerait sur leur port. Je te suis. Ouais, c'est gros, c'est civil, on y va là. Oh. Ah, il y a un truc par terre. Heureusement, j'avais pas fait gaffe. On dirait une aide du docteur Azo. Date-t-elle de sa visite sur la montagne? Le bosque et les prêtresses, j'ai reçu une invitation spéciale pour visiter cette montagne où seuls les gens qui retournent à l'eau sont autorisés à aller. La montagne dont personne ne revient vivant, cette montagne a une coutume unique. L'eau y est considérée comme sacrée, les gens d'ici aspirent à une mort convenable. Les gens viennent ici, chantent leur désir de devenir l'eau. Ils sont tellement sincères, je pense que je commence à les croire. Tant de gens qui partagent la même croyance, si cela continue pendant une génération, leurs prières sont peut-être exaucées. Il y avait un autre objet quelque part. Non? Quand j'ai avancé, il y avait un autre truc? Non. Ok. Bien par là. Ouais, c'est ça. On va suivre Yuri. Bon, je pense pas qu'on va retourner au même endroit. Peut-être la maison où il y avait les mariages. Possibilité. Vas-y, cours Francis. Oh, t'as eu un bug. Oh, t'as déconné, il a fait un toutouk! Un petit coup à gauche, un petit coup à droite. Ok, on y va, on y va, on y va, on y va. Qu'un seul chemin. C'est vrai, j'ai l'impression qu'il court plus vite maintenant, là. Puis en mode grosse tapette. J'apprends ça. Ok. Soyez gentils. Pour le moment, c'est tranquille, donc. Un côté, c'est bien, mais un côté, non, parce que ça sent mauvais. Le bassin de purification, c'est ici que les pèlerins s'effectuent un rite de purification. En se baignant dans ces eaux, ils ne faisaient plus qu'un avec la montagne, se rapprochaient du monde des morts. Les prêtresses gardaient toujours leurs cheveux noirs de jais mouillés. On les appelait les prêtresses des eaux noires. Je sais pas si on entend parler là dans le rendu, mais moi j'entendais pas grand chose. Hein. Hop.
plus le volume du... Enfin, les effets sonores que sa voix presque pure. Ouais, bon, bah, pour le moment, je suis Yuri, hein. Enfin, je suis Azo. Putain, il y a des choses à lire, hein. Par le passé, le docteur Azo s'est rendu sur la montagne et en avait pris des photographies. L'air est tellement clair ici, c'est une eau calme et pure, et la brume est pleine d'énergie vitale. Tout ici possède une aura. Dans les bois, on peut sentir les animaux et les arbres, mais également l'eau elle-même dégager de l'énergie. Je comprends à présent, l'eau est vivante, nous naissons de l'eau, et à l'eau, nous retournons. L'eau nous lie tous. Peut-être qu'ils peuvent rester avec leur sens aiguisé, perçoivent cette aura, et mènent les gens à une mort convenable. Ici, en ce lieu, je ne suis pas seul. Je suis. Il se passe pas grand chose pour le moment. Un petit peu plus d'action, ça serait cool. Tu files même si on fait leur gros radin, tu vas voir. 24. C'est déjà ça, on va pas aller. On y va. On trace le même chemin pour le moment, hein. Ok, t'es où? Par là-haut. Ah tiens, la maison voilée. Ah non. Ah non, j'ai rien dit, j'avais pas reconnu. Dis pas de conneries non plus. Bien encore le même chemin pour le moment. Quand un objet là-haut, c'est tout, c'est le seul. Je vais aller le chercher. Des herbes, cool. T'es où, grand-père? Touk. Et par le pont. Attends, par contre, l'ambiance pour ce dernier épisode. Il y a un objet là. Ah, mais il faut faire tout le tour. Je vais aller le chercher quand même. On n'a pas pour très longtemps. Voilà, tu vois, en plus c'est rempli d'items. Et c'est pas rien. Merde. Prends. Ça se voit, j'ai relâché le bouton. Putain. Tu te fous de ma gueule, tu étais même pas avant. Bâtard. Par là. Et là. Voilà. Encore un autre objet au fond, est-ce qu'on va le chercher? Il est où? Est-ce que je peux passer par là? Ouais, je peux. Ça remplit nos poches au moins. On a un peu de tout. C'est cool. Bon, on va retourner là où il y a Ozo. En plus, il y a un objet aussi. Wow. Ok. Putain, encore ces bâtards. Ah, vous, je vous aime pas. Au revoir les flammes. Ta gueule. Pourquoi on prend des photos aussi lentes? Ah, le chargeur n'est pas complet. Putain, elle est pourrie ta caméra. Ah ouais, c'est long. Putain, va falloir que j'en pisse ça quoi. Quadruple photo. Voilà. Ah, mais là. Oh. Oh, ta 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 ta. Alors, on va y aller au quadruple, hein.
Il va m'attaquer, non? Waouh! On n'avait pas cette caméra là avant! Ta gueule, toi! Je t'ai vu! Elle veut le régénérer! Ta gueule! Yeah! Je sais même pas où donner de la tête. C'est bon, ils ont disparu. Waouh. Mais c'est quoi cette vieille caméra? Je suis sûr qu'on avait fait des améliorations. Hein. T'es où? Waouh, doucement. Est-ce que je peux améliorer? Non, toujours pas. Photo. La fille aux cheveux blancs. Elle a donné un souvenir de Tarazo quand il était enfant avant de devenir sur cette montagne. Puis elle a attendu qu'il revienne vers elle, quitté par le souvenir. Alors que je poutre du fantôme pour pouvoir améliorer ma caméra. Est-ce que le Tarazo a vu dans la montagne? Cette montagne me fait penser au moment que j'ai passé sur le mont Kagiroi. Enfant, à l'époque, je croyais fermement en amour d'invisible. Quand ai-je arrêté et pourquoi? Là, cette montagne a éveillé en moi un souvenir oublié depuis longtemps. Je somnolais sous un arbre et rêvais de cette cérémonie. J'ai reçu quelque chose ce jour-là dans mon rêve, dans mon passé. Était-ce un rêve ou est-ce que c'est vraiment arrivé? Putain, il est long ce chapitre. Hein. J'espère que vous avez préparé vos sodas à manger, tout ce qu'il faut. Que vous regardez ça dans la nuit aussi. C'est pas pour rien que de toute façon je vais le mettre vers 17h. En fait, tu cours comme une tapette quand t'es dans des maisons, c'est ça. Est-ce la jeune fille aux cheveux blancs qui l'a laissé là? Je ne suis pas comme les autres. Mes cheveux, mes yeux me rendent spécial. On m'a dit que je ne vivrai pas longtemps. Ah, elle est atteinte d'une maladie, mais elle était trop belle, pardon. Elle est trop belle. Je n'atteindrai jamais mes 7 ans. Ils me fuient tous comme s'ils allaient attraper quelque chose. C'est le seul à ne pas courir. C'est parce qu'ils voulaient la marier tôt. Lorsqu'on jouait à cache-cache, on se cachait ensemble dans notre coin, un secret. Personne ne pouvait nous y trouver. Pourquoi sommes-nous partis? La première fois que j'ai pleuré, c'était lorsque j'ai dû quitter cet endroit. La cérémonie aura lieu demain. C'est pour ça que on la voit en petite fille. Forcément, elle devait mourir tôt et qu'ils l'ont mis dans une boîte noire. Très très jeune, du coup. Par où? Là. Non, mais on va exactement au même endroit là. Oh oui, tu es toute mignonne. Il y a toujours ce sentiment de solitude. Et puis un bail, les gens n'arrêtent pas d'en parler. Être seul. C'est pour ça qu'il y a aussi les petits mariages là pour avoir un homme avec nous, pour pas se sentir seul. Cette fille a cessé ce journal ici. Avait-elle un lien avec le docteur Razo? Pendant la cérémonie sur mon cas Giroi, j'ai coupé une mèche de mes cheveux en souvenir et en guise d'adieu. Je suis tombé une fois, j'ai cru que j'étais morte, mais je n'étais pas, j'ai survécu. Lorsque j'ai ouvert les yeux, il était là, je suis là grâce à lui. C'est pour ça que je l'ai choisi sur le mont Kagiroi. Les filles choisies pour être des piliers peuvent choisir leur partenaire. Voilà ce que je vais expliquer. Je serai placé dans une boîte noire et emmené sur la montagne. Nous échangeons nos voeux et seront liés pour l'éternité. Ah, là-bas, c'est justement ce que j'ai expliqué, mais en moins bien. Bien avant. Kunihiko Hazo.
Oniko Irazo. Ok. On peut y aller maintenant. L'hôtel de la transition. On y va, mon petit Hélène. Tu vas où? Ah, tu montes aussi, toi. Mais 9x1, toujours aussi rapide ici. Eh. Pas de folklorisme ou je sais pas quoi, les trucs à la con là. Il va droit lui. Cette pluie, ce brouillard, on voit plus rien. La vallée interdite. Va te faire niquer, toi. Venez au sacré foie. Alors attendez, je reviens. Voilà, re. Désolé. Téléphone. Du coup, on en était où là? On devait suivre Azo. Ok. T'es vraiment une grosse tapette dans le monde. T'avais jamais vu ici, toi. Gros connard, tu sais. C'est par là. Regarde-moi ça. Un mot de galère. Par ici. C'est ça. Oui, il se passe quoi là? Ok, d'accord. C'est juste le chargement qui était un peu long. Qu'il a encore d'ailleurs. Non. Nous revoilà déjà ici? Non. J'aime pas cet endroit. On joue Yuri. Ok, on a toujours pas joué Miyu là pour le moment. Oh, 90 x 6, ça c'est excellent. 90, oh, 78. On va mettre le 90. On est pas mal. On pourra faire mal. Ah, il y a des objets. Hop. Non, 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 dégage. Ok. Non mais oh. J'ai déjà dit, je suis pas une fille facile. Non mais oh. 61. Elle se rappelle, ici c'est l'endroit du film, hein. Il y en a énormément. 14. Oh shit. Bon bah on va laisser ça. Avoir. Il va falloir peut-être utiliser le 14. Dégage. Elle est où l'autre? Oh non, oh. Oh. Arrête.
ta gueule. Parfait. P. Ta. Se. Oh. Esquive. Non mais. Dégage. Ok, là je vous chope toutes les deux. Oh putain. Ta gueule. Wow, c'est le bordel. Mais il y a trop de fantômes, il y a des ralentissements, le jeu ne suit pas. Voilà. Kill your ass. Ah, t'es fini toi. Ah oui. Ils sont morts les autres. On dirait bien. On dirait bien. On reste pur. Ils sont vachement généreux. Non, 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 tiens. Tu me fais toi. T'es folle. Non mais reste pas dans moi. Si tu veux combattre, reste loin. Caméra. Oh. Oh. Non. Oui. C'est le réflexe que j'ai eu. Mais par contre je me suis fait choper là. Non c'est bon. Mais arrêtez. Vous êtes trop près. Non mais dégage. Arrête tes conneries Jacqueline. Je recule en même temps, je sais pas où je vais. Mais je pense putain on va retourner dans l'eau parce que là. Voilà. Une meilleure vue. Oh boum. Oh. Non 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 non. On se calme. Voilà. On a une de morte. Cool. Une deuxième, ce serait génial. Pouh, ce double. Pas fini. Et ta gueule. Voilà. Je savais qu'elle était morte là, parce qu'on n'entendait plus la musique au moment où j'ai fait la photo. Ah eh oh, la trace, tu vas te calmer. Ah, y a pas de trace. Je vais rentrer là-dedans. Déjà, je vais changer. On va passer en 14. Quelques économies. Je le rappelle, on a un boss final à la fin. Hein. Ah, ça serait con qu'il n'y en ait pas. Non, bah. Vous faites chier. Ah, 0-1, yeah. Alors, ça, j'ai intérêt à bien les utiliser, hein. Par là-haut, c'est juste pour un objet. Hein. De toute façon, il va falloir que je fasse le petit tour comme l'autre fois. En fait, on refait exactement la même. Oui, du 90, ça c'est gentil. Ah, je vous ai mis en bas. Tiens, comment bien commencer? C'est beau, hein. Ting. Pouh. Je vous ai vu, les connasses, là. Ok. Oh non, je l'ai eu. Oh. Pile poil sur la fin. Où
Sous-blot. Sous moi. Attaque-moi, ma chérie. Arrête d'aller dans les eaux et ta gueule! Viens te battre. Ah bah, elle est morte. Alors, j'utilise du 14 là. Si je me trompe pas. Oui, du 4. C'est quoi ça? Waouh! Esquive. J'utilise du 14 et c'est plus puissant que tout à l'heure. Je les ai mieux gérés, j'en sais rien. Elle va m'attaquer. Ah, je prends des photos très rapidement. Arrête. Pourquoi on s'approche comme ça? Yeah. Tu restes au sol. Et je te touche. Ah oui. Faut toujours délirer ces petits cris qu'elle pousse. Ah, par là-haut. C'est bon, j'ai vu tes fesses, on peut y aller maintenant. Voilà, on y va. Donc bizarre que le 14 va faire beaucoup plus mal. Je les ai tués plus vite. C'est ça le truc. Enfin, des petits pièges, mais bon. Il y a un objet, hein. Tiens. Oh! Tout doucement! Tout doucement! T'as pris un peu cher. Wow! Mais téléportation, toi, maintenant! Et boum! Je l'ai touché. Oh putain, eh non mais. Oh, vous êtes sérieux? T'as vu? Oh, du gros boss! Oh putain, vous êtes pas sympa là. Enfin, moi j'aime bien. Ta gueule! Yeah! Bitches, motherfucker! Bitch! Ah, fait plaisir. Je continue à te taper avant que tu te mettes en transparence. T'es où? T'es là. Arrête. Yeah. Si. Mets ses cheveux. Ça là. Dégage. Ok, elle est morte. Tant pis, j'ai pas eu le temps de la toucher. Bon, du coup, on en était où? On a quand même des objets à prendre là. Quoi? D'accord. Je me demandais c'était quoi cette vision au début. Je me dis, what? C'est quoi ce problème? Un peu trop proche. Recule, salope. Voilà. On la tape, on prend des photos. Hop, ça la fait reculer un tout petit peu. On est pas sur ma gueule. Je te tiens. Tu me laisses ramasser ça. Un 0-1 encore. Ça, je les garde pour le boss final. Voilà, ça aussi. 0-1. Ça risque de faire très très mal si je les fous bien. Dans un instant fatal, ça va souffrir. Qu'est-ce qu'on en ramasse des objets dans ce chapitre? On n'a pas en reste avec ça, je comprends pas. Pierre miroitante, par contre ça fait plaisir. Si je crève encore, j'aurai ces pierres. J'en ai acheté une tout à l'heure.
où il y avait Hisoka. J'en suis où? 14h53. Je peux me permettre de passer en 61. Ok, d'accord, il y a un vieux lampadaire, du coup je peux pas passer. Connasse. 90. Oh, 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 oh. Bonjour. Les objets. Petite presse pure. Voilà. Tu accompliras ton devoir de pilier. Oh les deux vieilles. Oh les mémés. Bande de putes. Ouais c'est ça. Avant. La mémé noire, la mémé blanche. La caméra, on peut améliorer. On améliore quoi? Non, on va laisser ça comme ça. Toi, déjà. Allô, l'autre vieille. À la côté. Pouah, c'est bon, ça commence bien. Je vois rien. Pas cette vieille en noir là. Je peux les avoir là. Bon, vas-y. Ouais. Attends, je vais me prendre un peu de temps si je peux. Non, j'ai pas réussi. Ta gueule. Qu'est-ce que tu fais? Ta gueule. Je me maligne comme ça. Un mémé. Oh, vous êtes trop près. Ta gueule. Arrête avec ton miroir. What the fuck, allez! Boum! Oh! Oh! J'ai voulu esquiver les flammes. C'est un peu trop prête. Ouf. T'as encore la moitié de mes points de vie. Ah, ça va. Attaque-moi! Oh, j'étais trop tôt. Si c'est bon. Heureusement qu'on l'a tué. Je touche ton sale pif. Oh. Donc ça, que servent les piliers, c'est pour pas que les zones noires débordent, hein. De toute façon ils l'ont déjà expliqué auparavant. Mais je leur dis au cas où. On a fini avec Yuli. Et Miyu a joué là un petit peu, hein. Pas non plus faire une session de 3 heures. On va jouer Miyu. Bon, qu'est-ce qu'on fout déjà dans la barque?
C'est pas Miss Culotte pour rien. Elle kiffe nous la montrer. Je dis ça, je dis rien. Mais elle est partie. C'est reparti sur la montagne. Je prends ça déjà. Des photos sur le lit. Ah oui, je me rappelle de ça. C'est assez glauque, hein, la petite, un souvenir ou la cinématique. Alors, toi... Bah oui, bah t'as la même caméra que Yuri en fait. Je sais pas comment elle a fait pour te la donner, vu où elle est. Mais bon. On va dire qu'on est ok, puis on va se barrer. Oh maman. Tu vas où? Tu glisses sur le sol en plus, maman. Personne. C'est tout. On fait chier pour... Pour ouvrir une porte et voir maman partir, c'est tout. Est-ce qu'elle est ici? Hein. J'aurais pu me mettre directement ici. Ah 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 ah. Je te suis maman, mais s'il te plaît, un truc, ne m'emmène pas sur la plage. Je déteste le sable, surtout que je suis en mini-jupe. Je pourrais éviter de prendre ces photos-là, mais bon, c'est toujours des points pour le rang. Moi je la suis, hein. Comme un con, mais je la suis. Kassan. Non. Non, casse-toi d'ici, s'il te plaît. Ici, c'est pas une bonne idée. On se rappelle de ce qui s'est passé la dernière fois. Qu'est-ce qu'elle fout? T'as vu, elle glisse quand elle marche. C'est bizarre. Moonwalk vers l'avant. C'est tout? On passe d'un personnage à un autre depuis tout à l'heure. Il y a plus de temps de chargement que de gameplay. Pas d'objet. Ouais, bah je me doutais qu'on allait retourner à cet endroit-là, t'inquiète pas. Des très bons contorsionnistes. C'est ça. Est-ce qu'il faut que j'aille de l'autre côté de toute façon là? Je peux pas y aller directement. Hmm.
Je vais aller là. Il y a plein de salles où aller. Non mais là j'ai fait le temps pour rien là, non? Ah bah ouais. J'aurais dû passer par la gauche avant. Ça aurait été plus rapide. Il va falloir rejoindre la grande salle avec tous les coussins sur le sol. Ah, bah heureusement, je suis passé par là. Marié qui entre. Je vais aller voir. Juste par curiosité. Parce que c'est bizarre, hein, c'est pas ici qu'il faut aller. Elle était laissée par Marie en kimono blanc. Le ciel attend la visite de quelqu'un. Pourquoi a-t-il fallu qu'il vienne? J'avais enfin pris ma décision. Il ne reviendra jamais pour moi. J'ai pleuré lorsqu'il m'a quitté, pleuré jusqu'en perdre le souffle, pleuré au point que j'ai craint de fondre complètement ses mots sur une malédiction. Excuse-moi de te couper pendant tes paroles. Attends, il y a un truc à faire là. Il y avait ça là. Bon. Ici. C'est quoi la porte qui brillait là au bout? Oh, c'était ma lumière en fait, je crois. Salut! Oh! Il y en a deux! Vous êtes sérieux? Yaaah! Comme ça, tu vois, j'ai les deux en même temps. Oh, ça fait bobo. Hein les gars. C'est pas gauche. Oh, wow. Là par contre c'était le réflexe. Oh, y'en a trop là, y'en a trop. Merde. On se calme. On se calme les Kazuya. Yeah. Pouh. Oh, esquive. Agro moi. Allez mon chopper. Avec tes sales pattes. Voilà. Oh. T'es pas encore mort, putain. Tu vas me lâcher, oui. Et ta gueule. Mais bon. Et après c'est ici. Je vais retourner là où on avait trouvé Louis en femme. Enfin en mariée. En femme. La pauvre, j'insulte encore. いらっしゃいました。麻生様がまた来られるとは、こんなにめでたいことはない。契りの相手はもう決まっておりましょうな。 Mais je ne suis pas Monsieur Azou. On va aller voir. On n'a pas le choix. Sur la vieille bique. À droite se déroulait une spectrale. Quelqu'un m'attend à l'intérieur. Non, je dois choisir. La mariée doit amener avec lui le souvenir de la mariée qu'il a choisi.
Une photo d'une mariée, c'était l'une des prêtresses. Elle fut sacrifiée aux eaux noires et existe à ce jour en tant que fleur immortelle attendant son compagnon. Une mèche de cheveux blancs appartenant à une jeune fille a été retrouvée parmi les effets du docteur Azo. J'ai vu cette fille plusieurs fois dans mes rêves, elle a donné ce souvenir au docteur Azo quand il était enfant. Elles attendent toutes les deux. Qui vais-je choisir? Photo de la mariée ou la mèche blanche? Ah ouais! La mèche. On verra si mon intuition était la bonne. Oh, boss! Ah, ça aurait fait quoi si j'avais pris l'autre choix? Pose la question du coup. Je peux pas la prendre en photo. Oh. Là. Ok. Les poupées, ça dégage. Y'a quoi à droite? Et hop là! Désolé, la petite fille! T'as beau être mignonne, faut que je t'éclate la gueule. Ah, reviens. Oh. Attends, cours de l'autre côté. Elle veut se régénérer. Dégage, coupé. Qui va mourir. Ah putain, je l'ai maté. Accroche-moi encore, s'il te plaît. Vas-y, cours. Viens faire un câlin, tonton. Je peux pas. Bon. Quadruple photo. Putain. Dégage, toi. Elle est où? Elle est là. Non? Faut que je me débarrasse d'elle. Ah, voilà. Yeah. Oh, 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 oh. Elle revient directement, hein. Elle aime bien se faire poutrer. Allez, fuis. Viens, 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 vite avant que la poupée arrive sur moi. Je vais pas avoir le choix. Allez vous faire. Quadruple! Putain, ça fonctionne très très bien ça, c'est sosie. Viens! Allez! Ah, je vais trop tôt. Boum! くれてよかった。本当に嬉しかった。
Ah, c'est beau, je regrette pas d'avoir pris ce choix. Je sais pas ce que ça aurait donné l'autre. Si toi t'as le jeu Project Zero, hein, ta saison noire, tu me diras par commentaire hein, ce que ça change. Ce qui se passe en plus, en moins. Ça m'intrigue quand même. Mais je suis content sur ce choix. Donc du coup on en a fini avec Ren là. On a fini son petite histoire là. Logiquement. Toujours Miyu. Yori. Laquelle? Sous l'océan, chez nous les poissons se vendent la pipe, à tourner dans leur bocal, chez eux ils s'écaillent et ils fripent. Viens ma chérie, on va discuter dans l'eau. Tu es à moi, ma petite Miyu. Tu es à moi. J'aime bien ta jupe. Waouh. Waouh. Là, je crois en plus que je vais tourner la session la plus longue depuis le début que j'ai commencé cette série avec vous. Si vous n'avez pas à tout regarder, hein, regardez en plusieurs fois. Alors attends, parce que du coup j'ai envie d'améliorer des choses, hein. Fais passer. Oh, destruction! Alors attends.
Objectif force. Je vais peut-être mettre le destruction à la place. Hein. Hop, destruction. Selon son niveau. Ouais, on va mettre destruction. Voilà. On y va. Elle est plus loin à l'intérieur, elle attend. J'étais pas sûr de savoir quand partir, mais à présent je sais. Il fallait que je parte un jour, mais il faut savoir prendre la décision soi-même pour devenir un pilier fort. Je serai un pilier, j'entrerai dans le cercueil, dans la solitude infinie, je continuerai à garder la douleur que j'aurai regretté. Je deviendrai éternel, une fleur immortelle, je sombrerai dans les zones noires pour l'éternité, tel est mon devoir, toutes les morts, tous les secrets. Bien qu'il s'agisse de regarder les secrets d'une prêtresse, les secrets que je garderai. Vers la source de l'ombre. Est-ce que c'est la dernière étape? On va voir. Oh, je crois que c'est la dernière étape. Vu la gueule que ça a. 90, on va prendre. Et on y va, on avance. Tiens, regarde, je tombe, tombe. Tombons ensemble. Je crois qu'on arrive au boss final là. Ah, on va passer en zéro. Pour les plus puissants. Ok, let's fight, let's battle for the final boss. Wow. Wow. T'es un peu trop loin. Viens magro. Wow. Oh putain. Wow. Oh la vitesse d'aggro. Oh putain. Oh, faut avoir de ses réflexes. Prends, connasse. Yeah. Allez ta gueule. Oh, 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 oh. Vas-y. Yeah. Yeah. Tu prends dans ta schneck. Putain, à l'agressive. Bon, pas déjà quand même. Je sais pas. C'est bizarre. What, what the fuck? Wow. Ok, je peux lui mettre des dégâts. Ah, magro. Fais une petite prière là, par contre, j'ai pas confiance. Ah, t'es sérieux? Ah, j'ai rien à foutre. Toi, je vais te niquer. Prends ça! Il est où l'autre? Wow! Va bien se passer. Voilà!
les deux en même temps. Mais bon, les morts, ça va, ils ont pas beaucoup de vie. Doom! Faut qu'elle me touche, hein, je pense. Hein. Il est magnifique le soleil, par contre. Hein. Wow. Alors, tu m'aggro, tu fais quoi? Il se passe pas grand chose là. Hein. Esquive! Je t'ai vu venir. Pouh! Faut que je mette des autres fantômes pour lui niquer la gueule. Ah! Une autre étape. Ah, je peux pas la toucher. Ah! Putain, les 90 là, c'est super là par contre. Putain. Je suis dans l'eau? Oh la classe! Wow! Wouah! Eh oh! Ok, viens toi. On a une autre. Voilà. Toi, viens. Allez, aggro-moi. Vas-y, vas-y, vas-y. Yeah! Yeah, dans ta face! Viens à la caméra. Ok, on y retourne. Oh, je te kiffe. J'aime bien quand tu prends cher aussi. Qu'est-ce qu'un manga gaspille par contre du film? C'est bon? Je vais rester en 90, il me reste 45. C'est vraiment pas mal. Oui, il se passe quoi là? Quatrième étape? Oui, non. Oh. Ok, c'est reparti. En fait, quand on redevient normal, faut lui niquer sa race. Esquive. Oh. On va se calmer, hein. Objet. Herbe médicinale. J'ai pas perdu beaucoup de vie, mais je m'en fiche. Et une brassière. Et où l'autre? Elle est morte? Arrête de faire ta petite prière de merde. Yo! Yeah! Ça, ça fait plaisir. Wow. Pouh. D'accord, elle a rien subi. Elle a fait je t'emmerde. En voilà toi. Tiens, casse-toi. Genre j'ai pas chopé son dernier fantôme. Ah, j'ai pas le choix. Voilà. Non 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 non. C'est bon? Ok, c'est bon. Prends ça! Putain. J'adore l'ambiance et le fond. Surtout le fond. Oh, il est magnifique. Époque floriste. Ta gueule! Putain, mais elle est super résistante! Waouh! Et je lui ai mis les 3-0 dans la gueule, hein. Obligé de prier. Oh oh oh. Cette life. Voilà. Toujours pas fini, hein. Ah. Oh oh oh. J'ai passé en 61 parce que j'ai plus beaucoup de 90. Ça serait risqué. Si j'en ai plus, me faire niquer. On y retourne. Ta gueule. Yeah. Il en reste une.
Oh, t'as failli me prendre au piège, hein. Par contre, là, c'est toujours trop la maligne. Oh putain. C'était de justesse, hein. Boum. Tout est spectre. Voilà, ça m'a dégagé comme ça. On va attaquer. Ah, putain, ce boss il est vachement long, on dirait le boss de Splatoon. Mais c'est ça qui est bon, c'est ça qui est bon. Par contre pour le moment il manque un petit peu de difficulté, un peu dommage. Toi qui étais invincible de base. Allez. Je sais même plus à combien d'étapes on est là, mais 5 ou 6. Ok. Bon, on y retourne. Doucement. Ta gueule. Oh. Il dégage. Oh, c'est ça que c'est devenu long à charger maintenant. Toi, tu me fais chier, toi. Tiens. Ah ouais, le 61 elle est vachement long à charger en fait. Voilà, j'ai tout. Non, il reste un. Je passe en 14-04. Ah non, il me reste que 4. Non. Je suis passé en 90. Voilà. Je vais me remettre de la vie. Putain, 61 elle est cool, mais bon, pour être aussi loin à charger. 90 du coup reste le mieux. Je charge plutôt vite. Wow. Wow. Je peux plus la viser. Elle est rentrée en mode super vénère. Si c'est bon. Ta gueule. Hop. C'est bien, reste tranquille, moi j'aime bien. Voilà. 90 x 0,7, putain, c'est plus grand chose. Ouais, je préfère 90 pour le moment. Faut que je fasse gaffe par contre. Pas fini. On n'est pas fini. J'échappe toutes. Ouais. Oh merde. Il en reste une. 90 x 4. Doucement, 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 doucement. Ok. Boum. Oh, 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 oh. De changer, j'ai plus grand chose. Ça me fait. Oh, oh. Photographie réflexe. Hein. Oh, yo, yo, yo. Ça rigole plus. Putain, mais chaque fois j'en rate une. Bouge, je vois plus rien. Va se vénère. Et à m'attaquer. Ta. Yeah. Ça fait combien de temps qu'on est sur elle? Ah, j'ai le temps de toucher.
Ok. Ah. Bon. On a fini avec toi ou pas? Toujours pas, hein. Si je prends une photo de toi, ça fait rien non plus. Ça a pas l'air. Allez, on y va. Hop là. Doucement. Oh shit. Oh, y'a du monde. Esquive. Vas-y. Yeah. Esquive. Non. Casse-toi. T'es où? T'es là. On va se remettre un petit peu de vie. Et la brise pure. Ouh. Non, là, dégage toi. Arrête. Oh. Sérieux? Pourquoi je peux pas le toucher? Ah bah voilà. C'est bizarre. Plus je combat près, plus je fais des dégâts donc. Moi je m'approche. Non, j'ai pas eu. Putain. Ah. Laissez-moi tranquille. Objet. Je vais être toujours maxé. C'est moins dangereux pour moi. Plus je me rapproche. Ah là, je l'ai eu. Non. Arrête. Dégage. Tu vas clamser dans combien de temps, bordel? Putain, t'es vachement long. Recule. Oh oh. Esquive. Allez, où? Esquive encore. Oh. Attends, elle est vachement loin là. Je te tiens. Arrête. Ah. Boum. Yeah. Ça c'est bon ça. 1180 de dégâts. Waouh. J'ai jamais vu un boss aussi coriace que toi. Casse-toi toi. Non mais j'ai esquivé. Au sacré. Dégage. Tu me fais chier. Wouhou. Arrête. Meurs. Vas-y, rapproche-toi de ton chef. Boum. Oui, enfin. Waouh. Toucher les boobs.
Elle a pu voir toutes ses souffrances. La compréhension. あの言葉は私には強すぎた。あの言葉は呪いです。あの人と共に死ぬのではなく、共に生きたかった。ようやく呪いが解けた気がする。 私だけで行きます。流れの果てに。あなたが私を見取ってくれた。あなたに最後の感情を託せた。あなたに会えてよかった。 Quelle série, mes amis, quelle série! Oh putain! Eh, petite confidence, hein. Moi je suis pas. Je suis pas très jeu d'horreur, hein. Tout ce qui est film d'horreur, tout ça, je m'ennuie grave! Eh, mais ce jeu m'a bien emporté, hein! Il y avait du glauque, ce que j'aime bien par contre. Wouah! Tas d'histoire, du coup, là on a les crédits de fin avec une petite musique qui est tout simplement magnifique. Ça fait du bien. Et j'aurais tenu mes promesses. J'ai posté cette longue vidéo qui dure environ 2 heures, même un peu plus que 2 heures. J'aurais aussi posté tous les jours. Serge avait commencé à partir du 29 octobre.
Et là, le dernier épisode va pleurer le 29 novembre. C'est-à-dire, j'ai réussi à poster tous les jours et deux fois, je crois, j'ai posté deux dans la même journée. Donc, je suis content de promettre. Ça m'a demandé énormément de travail. Hein, si tu savais, quand je lançais mon PC, ça servait pratiquement qu'à ça. Hein. Je lançais, je faisais mes montages, mes rendus, mes mises en ligne. J'en faisais plusieurs dans la journée. Surtout hein, le fait de tourner hein, tout ce temps. Bon, du coup tu me diras par commentaire ce que tu en as pensé. Ce fut un vrai plaisir d'avoir été là avec vous, d'avoir partagé ces moments ensemble. C'était un plaisir aussi de vous commenter cette série. Je tiens tous à vous remercier. Et aussi un petit clin d'œil à Nolwenn, donc c'est une abonnée qui m'a envoyé un fanart de Martha de Tales of Symphonia. Je sais que c'est hors sujet, mais comme elle me l'a envoyé il y a peu et qu'elle regarde mes épisodes de Project Zero, eh bien j'en profite. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller voir mes autres séries qui sont sur la chaîne, bien entendu, avec Talos Symphonia Dawn of a New World. Il y a aussi pas mal de Zelda, il y a du Mario, il y a un peu de tout. Alors, tu peux aller voir directement dans ma section. Ou alors, dans la description de mes vidéos, hein, j'y mets un lien d'un tableau qui répertorie en fait toutes mes séries. N'hésitez surtout pas à aimer cette vidéo ou même à partager la série entière. Ce sont des petites intentions qui m'aident dans mon travail. De donner ton avis par commentaire sur l'ensemble de la série. Et puis, qui sait, jusqu'à la fin, il y a peut-être des surprises. Bisous à vous tous, c'était Agito sur Project Zero, la prêtresse des eaux noires. Smack! まだ寝てろ。もう少し休んだ方がいい。なんだよ。どこにも行かないって。信用ないな。